derrière les éléphants de la Côte d'Ivoire qui vont s'élancer. Le coup franc, il va être tiré, c'est repris, c'est Kofofana. C'est Kofofana, l'incroyable histoire, c'est Kofofana, à l'ultime seconde de la prolongation, c'est Kofofana qui va tirer et qui va offrir la victoire, la qualification pour les demi-finales de la Coupe d'Afrique des Nations à cette équipe de Côte d'Ivoire. Le regard hagard dans le vide de Seydou Keïta sonné comme tous les millions de Maliens qui regardent cette rencontre. Portée. Mais en face d'eux, il y avait un miracle, une équipe en mission, une équipe emmenée par un peuple, par une foi inébranlable, qui sont invincibles, et ils l'ont fait, ils l'ont encore fait avec ces Kofofana. La Côte d'Ivoire mène 2-1. C'est inouï. Qui est le fou qui a écrit le scénario cette CAN? Je veux absolument le rencontrer. Ça doit être un écrivain complètement tordu, torturé. Imaginez des scénarios de dingue comme cette Côte d'Ivoire qui ne faisait plus rien, qui attendait les tirs au but et qui là est montée massivement devant pour ce dernier coup franc. Elle est déviée, mais par qui? Mais un défenseur malien en plus. C'est un défenseur malheureux, c'est le rentrant de tout à l'heure, Fofana, qui fait un geste défensif. Est-ce qu'il la touche? Oui, je crois qu'il la touche, je crois qu'il contribue à tromper en plus son gardien. Oh, c'est désastreux, c'est terrible.